C'est peut-être le jour du sacre hein, pour cette équipe qui croit très fort au titre. Elle est maître de son destin aujourd'hui. Hein. Une victoire lui offrirait le titre à coup sûr. Bonjour à tous. Le ciel, vous le voyez, est bien bouché aujourd'hui sur l'agglomération lyonnaise et sur le Groupama Stadium où nous nous trouvons aujourd'hui. Il a une effringant. Il est à mes côtés, Pierre Ménès, bien sûr. L'équipe locale va... Allez, l'occasion de passer devant. Ah, pas du tout cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Thomas Mangani. Les joueurs qui vont essayer d'enchaîner, ils restent sur une victoire à l'extérieur. Ouais, c'est vrai, le score avait été impressionnant, mais je pense que l'équipe va être accrochée cette fois. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. Lucas Paqueta. Oh, le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Ibrahim Amadou. Angelo Fulgini. On s'approche du but. Il faut être costaud hein, pour protéger son ballon comme il le fait. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Et dans le tir. Le gardien qui s'interpose sur cette tête. Léo Dubois. À quelques minutes de la fin de la rencontre, on rappelle que ces joueurs sont provisoirement champions. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Bah, il enquille les buts en ce moment. À ce rythme-là, je ne sais pas où il va s'arrêter, mais il faudra le surveiller aujourd'hui, c'est sûr. Pierrick Capel. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Au centre un peu raté. Le gardien qui s'en saisit tranquillement. Les joueurs de Lyon qui obtiennent un coup franc. Ils ne maîtrisent pas le ballon, ils le perdent. Pierrick Capel. Et ce ballon qui est récupéré. Moussa Dembélé. Fils de paille. Ah non, le ballon. Oh, ça peut faire but. Voilà, nouvelle occasion. Et ballon qui est au fond. C'est vraiment un but collectif hein, qui est le résultat d'un travail de toute l'équipe. Oui, collectif parce que tous les joueurs participent au pressing et l'adversaire a fini par craquer. Moussa Dembélé. Moussa Mawar. Lucas Paqueta. Ils attendent une ouverture dans la défense. Il y avait la puissance, ça c'est clair, mais... La précision manquait un peu. Ouais, c'est justement ça, la nuance, tu vois, Hervé, c'est dans le un peu. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner les transversales et les contrôles. C'est pas toujours évident sous la pluie. Les joueurs vont sûrement privilégier le jeu court. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Chercher une solution là, on perd de la balle. Attention à la contre-attaque. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. Intercepté, hein, mais la défense est quand même sous pression. Ah, le but qui part d'un mauvais ballon, provoqué par un gros pressing, vraiment. L'entraîneur ne s'en cache pas, il a toujours dit que ça faisait déjouer l'adversaire. Et là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Léo Dubois. Moussa Dembélé. Non, elle est interceptée cette passe. Le coup de sifflet, la mi-temps.
L'arbitre est prêt, les 22 joueurs également. Et ça repart à l'instant. Attention à ne pas commettre de faute. Lucas Paqueta. La passe. Moussa Dembélé. Le duel pour la récupération du ballon. Lucas Paqueta. Ouais, le SCO, bon travail défensif des Angevins. Allez, après tout, pourquoi pas. Et le bon retour et le très beau tacle de Léo Dubois, qui va pouvoir relancer. Oh oui, encore une bonne passe. Lucas Paqueta, l'Olympique Lyonnais, qui progresse dans le camp adverse. Moussa Dembélé. Oh, la faute, penalty, faute dans la surface. Oh, l'entraîneur est foudra, Gervais, les choses risquent de se compliquer encore un peu plus. Et le penalty transformé, avec beaucoup de sang-froid, pas de problème. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Le paille. Lucas Paqueta. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il s'infiltre, attention. Le ballon qui change de possession. De paille. On rappelle que cette équipe est virtuellement championne pour le moment. Oui, ça doit peut-être déjà trotter dans la tête des joueurs. Mais enfin, il va falloir rester concentré jusqu'au bout. Memphis. Avec Memphis Depay. Lucas Paqueta. Oui, attention. Et il y est. Le score qui est maintenant de 4-1. Il laisse l'avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Ismaël Traoré. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Voilà, ça va être intéressant de voir le ralenti parce que le hors-jeu ne paraît pas évident du tout. Un prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf. Ben, ce serait pas mal, oui. Moussa Dembélé, fils de paille, Lucas Paqueta. Oh, la bonne occasion! Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Vincent Monceau. Ismaël Traoré. Moussa Dembélé. Lucas Paqueta. On sait l'avoir. Et ça revient dans l'axe. Ah oui, le but! Le but pour l'Olympique Lyonnais! Plus de suspense à l'approche de la fin du match. Hein, la décision est faite. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement. Ah, bien vu ça. Moussa Dembélé. Ouais, pas le bon choix sans doute. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Vincent Monceau. Et le score qui devrait en rester sur ce 5-1. Tiens, intéressons-nous à la suite du calendrier pour ce club, Pierre. Il est prévu que Lyon affronte le Stade Rennais après ce match. L'équipe a bien joué, elle devrait s'imposer. C'est assez logique, vu leur domination. Il y avait la puissance, ça c'est clair, mais... La précision manquait un peu. Ouais, c'est justement ça, la nuance, tu vois, Hervé, c'est dans le un peu. Ça y est, l'arbitre qui libère les joueurs.